Donc je suis venu ici au Robert pour participer à cette course aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup plu. Le relief, la course en elle-même, le parcours avec l'effort, la bonne organisation, les nombreux bénévoles. Et ensuite l'ambiance parce que comme je disais, il y avait une ambiance de folie, il y avait la musique avant la course, il y avait du monde, surtout dans les endroits difficiles, dans les côtes, tout au long du parcours également et à l'arrivée. Ça m'a aidé parce qu'aujourd'hui la course était très très difficile et je suis très heureux d'avoir participé ici au Robert à ce 15 km du Lugard. Cette 26e édition du Raid du Loup-Garou, c'est un franc succès, tant d'un point de vue de l'organisation que d'un point de vue des résultats. On a le plaisir de constater qu'on a passé la barre des 450 inscrits. Pas de dommages collatéraux à déplorer au niveau des athlètes. Et puis pour le marathon fitness, une participation soutenue. Le succès de la manifestation tient en deux mots, de la convivialité, de la sportivité. Et puis surtout une envie de partager. Donc je crois que avant tout, je voudrais remercier les athlètes qui ont fait la démarche, les fidèles, et puis remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour faire attention à ce qui se passe autour d'eux, la maladie d'Alzheimer, prendre le temps de s'informer. Notre devise, venir en aide aux familles pour le bien-être du malade. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a un malade dans une famille, c'est toute la famille qui a besoin d'aide. Nous ne sommes pas une association de service à la personne. Nos missions sont bien définies. Nous faisons de l'accompagnement administratif, des entretiens psychologiques. Nous assurons des formations des aidants. La formation des aidants France Alzheimer est totalement gratuite. Parce qu'en premier lieu, nous faisons, si on peut dire, l'accompagnement administratif pour aider les familles à connaître leurs droits, les aider dans les démarches pour que tout soit mis en place en ce qui concerne le côté médical pour les familles.